coucou tout le monde, c'est H-Sim. Aujourd'hui on se retrouve pour notre 25e épisode de notre aventure sur Paper Mario. Alors le truc c'est qu'il y a deux choses d'abord. Première c'est que apparemment quand j'ai rouvert ma sauvegarde, il se trouve que j'avais pas sauvegardé la dernière fois, donc forcément... Enfin j'avais pas re-sauvegardé puisque vous savez il y a eu bug un peu avec la ROM européenne. Et puis j'avais pas re-sauvegardé par dessus, du coup je me suis retapé tout l'épisode en fait. Bon, sans les dialogues un peu qui servent à rien, etc. Donc au final ça passe. Et sinon... Ah oui, ça fait un peu longtemps que j'ai pas tourné aussi. Ça doit faire bien 3 semaines tout simplement parce que j'avais beaucoup d'épisodes de retard. Puis là je suis à peu près à 4-5 épisodes d'avance, donc ça va. Enfin en avance pardon, je voulais dire. Alors il me semble qu'on s'est arrêté là, il me semble que j'avais récupéré un badge et puis que je m'étais dit non ça va être trop long pour la suite, alors je préfère laisser à 25 minutes, un truc comme ça. Puis bon bah on continue, bah, attendez avant, il me semble que c'est un peu mal cadré pour vous, alors je vais bien cadrer, voilà. Il me semble que c'est comme ça, voilà ça va à peu près maintenant. Ouais parce que c'est un peu important quand même la qualité, même si moi je mets pas des vidéos en full HD parce que j'ai pas une connexion du tonnerre. Et qu'en moyenne un épisode de Paper Mario ça me met à peu près 2 heures pour le mettre en ligne, donc bon c'est pas... Heureusement que je mets pas en HD. Donc de toute façon on va continuer notre aventure donc. Et puis là il faut retrouver tous les Yoshi puisque je vous rappelle donc ce n'était pas là qu'au dernier épisode. Bah on a appris que Yoshi avait fugué. Et que bah là il faut les retrouver parce que de toute façon c'est que comme ça qu'on va avancer hein, je pense. Et puis de toute façon il y a même Sushi, donc le poisson sur lequel je nage, qui nous a rejoint. Et puis bah elle va nous aider, elle est utile il me semble. Bouhouhouhouhou. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? En mode de dire elle se fait violer j'ai l'impression. Ah non c'est planté à la con, non je préfère pas toucher à ça non. Il se passe quoi? Ouais, vache. Putain, on dirait ce vieux et le pauvre Yoshi. Ouais, on y va. Ah, pousse-toi. Où t'es, Yoshi? Ah, putain, buisson à con, fiché. Bon. Ah, il me semble que c'est à 8 de vie. Ah, merde, bah, attendez. On va envoyer Goombario. Allez, c'est parti. On bat un peu long, donc vous aurez compris. Au moins, ça me remet un peu dans le bain. Sachant que ces trucs s'empoisonnent. Ah, j'ai de la chance. Allez, on tient. Ah, allez, courage. Sachant que j'ai toujours le badge qui me permet de... En cas de bloc, excusez-moi, il s'est passé un truc. En cas de bloc, donc, de réduire de 1 les dégâts. Donc ça m'aide vraiment hein, dans ce genre de situation. Même si je pense que quand même pour le prochain level up, je vais monter les points de vie parce que ça faisait longtemps quand même. Et que les points de vue c'est quand même la chose la plus importante dans Paper Mario, donc bon voilà. Allez on tient. On s'est pas empoisonné de préférence parce que là c'est très horrible. Voilà, super. Et on continue donc combat un peu répétitif hein, ce sera pas tout le temps comme ça je pense dans ce chapitre. Chapitre au passage que j'avais bien aimé hein. J'ai vraiment bien aimé ce chapitre, c'est peut-être pas mon préféré mais il est dans mon top 3 je pense. Parce que je sais pas, c'est exotique, il y a plusieurs lieux. Vous verrez, on ira dans un autre endroit après. Puis ça change un peu des... Surtout qu'on sort du coffre masque-casque, qui est un chapitre que j'apprécie pas particulièrement. Enfin bon, voilà. Enfin même, parce que à cause des cinématiques, enfin bref, de toute façon. Donc on a presque fini ce combat, heureusement d'ailleurs. Hop. Quand même, notre vie, elle descend bien quand même, hein. Voilà, ça m'apprendra à faire des fails. Du point d'expérience, ça va. Ça sort bien. Ouais, là, je sais toujours pas qui fait ce bruit d'huître en train de se faire violer, donc... Ah! Bah, il est là. Ah, ça fait peur! Nous jouions à cache-cache quand cette plante bizarre m'a attrapé. Sushi, tu avais raison, cette jungle est très dangereuse, je suis désolé, j'étais désobéi. Merci d'être venu me chercher, je rentre à la maison maintenant. C'est ça, fille, petit chenapan. Non mais je te jure, en train de se faire violer par un buisson, n'importe quoi. Bon bah on en a récupéré un, il me semble qu'il y en a 5 ou 4, je sais plus. Enfin bref, on les retrouvera bien tous. Hein.
Côté passé par là. Ok, on en avait un déjà. Là, faut prendre sushi, non? Non, ta gueule, toi. Sushi, merde, c'est où? Ouais, c'est là. On a quand même une belle ribambelle de... de partenaires, donc faut comprendre, on va pas se servir de tous. Je pense que, ouais, je vais quasiment jamais m'en servir. Parce qu'elle est pas très... ouais, elle est pas très très utile, enfin, bref. Voilà. Sushi, par contre, il semble qu'elle va être très très utile dans l'aventure, donc autant... autant s'y habituer tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a un truc bien? Non. Oh, un buisson, merde. Je sais pas, autour des petites plantes, ça va, mais les buissons, j'ai l'habitude de fouiller, quoi. Oh, non, merde, en plus, bon. On va se faire un super saut. Voilà. Sushi, fini. Hop. On en parle plus. Voilà, on bloque encore. Je crois que ça fait déjà 5 minutes que je tourne. Enfin, là, je vais regarder l'heure, quand même. Ouais, je me dis, il faut que dans 20 minutes, 25, j'arrête. Donc je vous ai déjà dit, je vais essayer de faire des épisodes plutôt courts, quoi. Parce que mine de rien, ça fait vraiment beaucoup 45 minutes de Paper Mario, autant en passer à 30, quoi. Et puis surtout que moi, ça me dérange pas, je pense qu'on arrivera quand même dans 50 épisodes, quand même. Sachant que pour un jeu Mario, c'est vraiment long. Pour un RPG, ça va, hein, y a des RPG beaucoup plus longs. Mais c'est vraiment un très bon jeu, et la durée de vie est bien stock, quand même. Donc bon, alors... ah merde, il y en a 3 par contre. Bon, ça passe sans problème, je pense. Alors toi, on te se débarrasse de toi déjà, hop. Dégage. Du balai. Alors masque, ah ça fait chier parce que j'ai du mal à bloquer ce truc. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Oh non, lui, il a payé un pote. Oh non, ça c'est horrible ça. Ça c'est comme des casse-couilles ça. Allez hop, on recommence. Ma séance. Allez, on continue. Bon, on continue hein. De toute façon, je balance une pluie d'étoiles s'ils me font chier, ça me dérange pas du tout. Ah non, 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 ah, c'est bon. C'est bon, tu me gaffes, surtout qu'ils peuvent faire ça jusqu'à l'éternité. Oh putain. Bon, tu sais quoi, tu vas pas me saouler. Ouais, si tu veux. Pluie d'étoiles, voilà, bon. Vous allez pas me saouler, Mascasse. Attention! Excusez-moi, j'ai encore bug à vous pouvoir la vidéo que je suis en train de regarder au passage, mais ce n'est pas le sujet. Excusez-moi, hein. Je sais que c'est un peu désagréable. Voilà, comme ça, là, mon bureau est parfait. Donc 10 points et toi, bon. On passe. Voilà. Moi, ouais, c'était des masques, ça va. Alors peut-être qu'il y a un truc par là. Il y a une pièce monstrueuse. Ouais parce qu'il faut... Ah cool un bloc. Ah ça c'est pour Yoshi. C'est pour Yoshi. Pour Sushi. Je sais que Yoshi et Sushi ça se ressemble mais c'est pas la même catégorie quand même. C'est pas le même gabarit. Bon je sais c'était facile ça. C'était facile d'accord. Donc Sushi passe en mode super avec toujours le bug de texture qui fait autant chier. Ouais je m'en fous un peu. Bon ça les buissons j'y touche pas. Surtout que je me fais avoir par ces cons et ça m'empoisonne. Alors donc on passe par là hein. On passe par là donc avec notre ami Sushi. Ma meilleure amie c'est Sushi et moi. Ta da 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 da. Ouais je me suis fait un freestyle là, vite fait. Ah ça pue piège, j'y vais quand même mais ça pue piège. C'était prévisible. Non non casse-toi connerie. Connerie de plante. Ouais c'était prévisible mais bon je voulais la pièce. Ah, je ferais tout pour avoir des pièces, vous savez. Comme un bug avec Mario que je ne citerai pas. Parce qu'elle est assez vieille, elle date de beaucoup de temps. Et puis, bah, c'est un peu pourri, en fait. L'humour est vraiment pourri, donc bon, je vais pas la citer. Ah, ça pue les buissons, donc non. Ça va, ça ira. Oh, cool. Bah, c'est froid, non, je m'en fous. Allez, pour le fun, on s'est fait. Voilà, et de 1. Sauf s'il y en a beaucoup. Ah non, deux, bon, ça va. Il semble que Sushi, elle tapera un peu plus. Ah, j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a pris. Bon, je vais bien. Elle tape du 4, what? Donc, ok, je garde Sushi.
Ça m'évitera de faire plusieurs allers-retours dans le menu, hein. C'est toujours pratique. Donc là, je pense qu'on va essayer de se faire à Yoshi vite. On va essayer de retrouver Yoshi quand même, parce que quand même. C'est le prix de Yoshi qui me font perdre du temps, il me faut perdre un épisode quoi, c'est fou. Ah. Sushi, bah. Fire ma puissance japonaise. Voilà, ça c'est fait. Hop, tu bais. Ah, j'ai du fourmi dans les jambes. Bon, ça va aller, ça fait pas. Bon, toi, c'est un buisson encore, je m'en doutais. Fais toujours l'expérience. Hop, hop, hop. Surtout qu'il me tape pas grand chose, eux. Alors autant y aller. Coup de ventre. J'ai toujours pas vu ce qu'a pris Sushi, mais bon. Ça aide à aller un peu vite. Dans les combats, hein, bien entendu. Excusez-moi, un opérateur qui est tombé, voilà. Sachant que... Ah merde, bon, fait chier là, comme Sushi. Bouclier d'eau. Ah, ça sert pas mal. Oh là, putain, merde. Oula. Tiens, on va essayer le jet d'eau, tiens. Maintenez, puis appuyez. Ah, ok. Ah, ça va me faire chier parce que... Ah ouais, non, parce que là, en fait, il y a toujours le bug de la RAM et puis je vois pas le bord, donc... ça, c'est un peu chiant parce que ça me prive quand même de persos plutôt vachement bien comme Bombinette. Qui est vraiment un gros perso, c'est... Je sens que c'est le perso qui attaque le plus fort du... C'est le personnage qui attaque vraiment le plus fort du jeu. Donc ça, ça m'embête un peu. Mais bon, on fait avec, hein, malheureusement. Et donc c'est débarrassé de notre deuxième ami. Ouais, faut pas se fêter de se perdre quand même. Donc Sushi, voilà. On a déjà exploré cet écran. Ah ouais, quand même, il y a d'avoir un truc là. Vas-y, on y va. Ça sent Yoshi par là. Ça sent Yoshi. Thème qui est assez sympathique, hein, vous aurez compris. C'est pas mon thème préféré, mais il est vraiment en adéquation avec... avec environnement, donc ça c'est pas mal. Bon, on s'en fout des trucs à la limite. Hop, perds pas de temps. Allez, fais-moi envoyer Mario Helicopter. Allez, hop, hop, hop. Dommage qu'ils disent pas chez. Il y a Mario Avion dans Paper Mario 2, mais il n'y a pas Mario Helicopter. Ça m'aurait fait marrer ça. Alors, ok, déjà il y a un tuyau. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Bon, oh putain, il y a des fusils. Oh non. Ah non, 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 pas de fusils par pitié. Ce que je vais faire, c'est qu'en plus ça ne vient de nous avancer. Plus d'étoiles, hop. Ah non, parce que les fusils dorés sont vraiment, mais vraiment casse-couilles. Ça me vire du 4, je peux rien y faire. Puis 3 fusils, ça fait vraiment mal, alors je préfère m'en débarrasser maintenant. Je vais me prendre un champignon, tiens, parce que quand même. Ah non, quoique, j'appuie bientôt, donc... non, bon, autant rester. Allez. Autant rester. Non, je peux me prendre un champignon, allez. Allez, j'ai moyen, hein, je suis à 400 pièces, hein, autant y aller. Alors si je trouve comment on fait, voilà. Non, pas les 10 jouets, ça c'est un putain d'objet. Super champi, allez. On sait jamais hein, ce qui peut se passer. Surtout que j'ai plus de pouvoir étoile, donc forcément ça m'aide pas. Voilà, merci. Ok. Buisson à la con. Putain, merde. Ah, vous m'aidez pas. Ah voilà, merci. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Ok, il y a un Yoshi qui peur, on est dans un bot. Parce que je sais pas si vous entendez moi, mais mon Yoshi chez moi il peur, donc il est en train de se faire violer, mais bon, passons. C'est la troisième fois que je sors cette bague. Ah, c'est un tuyau pour revenir ici, je pense. Me semble bien. Donc on va aider Yoshi. Je suis là, mon ami, je suis là. Ah, merde. Sushi, même Sushi est là pour t'aider. Putain, c'est vraiment galère. Ah, voilà. Ah, toi, là. Qu'est-ce qu'il fout là? J'en sais rien. Ouah, il fait noir et j'ai... Oh putain, faut ramener Watt, fichu. Allez, on y va. Hop. Hop, fais pas chier. Bon, on voit toujours rien, mais bon, pas grave. Il y avait cette fleur qui tournait, bababa. Ouais. C'est... Putain. Toi, quand il y a un papy qui te propose des sucettes et de monter dans sa voiture, t'y vas, toi, hein, putain. Non, mais je vous jure, la jeunesse. Bon, bah, on a notre deuxième Yoshi. Il me semble qu'il y en a encore 2. Ou 3, je sais plus. Non, 2 il me semble. Alors, donc on y va, on continue. Et je remets Sushi parce que Watt, j'en veux pas de Watt. Voilà. Et hop.
Ta-ta-ta-ta-ta. Et j'ai des fourmis dans les jambes. Ah putain. Force de rester en tailleur comme ça, forcément. Ok, on y va. Super sushi. Ouais. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Voilà. Il me semble que c'est par là après. Il me semble bien que c'est par là. Ah oui, c'était un endroit. Ce qui n'est pas. Bon, on y va, on continue. On s'enfonce dans cette forêt. Oula. On s'approche d'un truc là. Il me semble que c'est des ruines ici. Enfin, un truc chelou. Bon, passons. Non, là, ça va me faire chier. Hop. Surtout si t'as ta lance en l'air. Ouais, merci. Donc, toi, ce qu'on va faire, c'est que. Ah, je sais que. J'ai envie de tester un truc. On va faire un super saut là. Comme ça, il va dégager. Et j'ai envie de tester bouclier d'eau, tiens. J'espère que c'est bien. Bouclier d'eau. Appuyez sur machin quand c'est clair. Ok, ça a l'air de simple. Merde. Ah, cool. Et ça me protège pendant. Pendant. Oh, ah, ça me rajoute de la défense quand même. C'est pas mal, ça. Et ce truc me vire toujours autant de points de vie, donc ça me casse les couilles. C'est pas grand chose. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Franchement, plus ça en défense, c'est vraiment un bienvenu. Sushi, tu me. Je suis ravi. Ah, sa mère, j'ai une crampe. Ah! Excusez-moi, c'est du direct. Ah, putain, j'ai une crampe. Ah, c'est horrible. Ouais, je vais continuer, hein, vous en faites pas. Ah! C'était prévisible, bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Est-ce que je peux frapper là-dedans? Ah, si, ouais. Facile. Ok. Donc, on a fait sortir un rondin de la on a fait sortir un rondin de la terre, pardon. On s'appelle Jésus maintenant. Super Jésus, ouais. Oh non, 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 je veux une initiative. Non, je veux une initiative. Oh putain, fais chier. Ok, donc déjà, on se débarre du fusil parce qu'il va me casser les couilles. Encore plus que Mascasse. Et du balai. Pouf. Et je peux bientôt, il me semble. Tant mieux. Oh non, putain, si y a pas des Mascasse, ça va pas faire. Surtout que j'ai plus de puits d'étoiles. Allez, toi, tu vas arrêter de me sucer sans, toi. Pour ne pas dire autre chose. Ah bah tiens, bah là je me suis pris que du 2. Bah tant mieux. Allez, on continue, on continue. Allez. Go, sushi. Dans ta gueule. Ah, ça me casse les couilles là. Ok, ou toi lance ton javelot, comme ça tu me fais plus rien. Ah putain, merde. Heureusement que j'aime bientôt, hein, heureusement, heureusement. Donc on se débarrasse de celui-là. Et ça sent la fin pour ce groupe de monstres. Voilà, hop, du balai. Sushi avec son attaque plaquage. Coup de ventre, mais bon, moi j'appelle ça plaquage. Je suis resté un peu à Pokémon. Alors, ouais, plus que 2 points d'expérience. C'est easy, ça va, tranquille. On s'est quand même fait un demi-niveau là, il me semble, c'est pas mal. 8 points d'expérience. 8 points étoiles, pardon, pas d'expérience. Pas d'expérience, ça fait beaucoup. Tranquille. Oh, il y a un truc à coup sûr là. Non, même pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ta ta da. Merde, fais chier, rien. Ya, couscous. Oh la vache, putain, la vache, oh, le peur, oh le pauvre. Putain, c'est pas déjà fait bouffer en plus. Ah attendez, là c'est des gros piranhas, donc là je vais mettre plutôt Bombario pour les indiques. Ce que je vais faire, bah, c'est je vais prendre un champi normal aussi. Non, ta gueule, ta gueule. Je vais prendre un champi normal parce qu'on sait jamais quoi. Ça devrait suffire un peu moins. Ok, let's go. En plus on a une initiative. Ah oh, merde, fait chier, ils m'ont repéré. Disparition. Ah non, même pas. Ouais, Yoshi s'est fait bouffer. Ah, c'est un mini-boss. Oh, une mini-boss. Piranha qui pue. Oh mon dieu. C'était un piranha qui pue. Merci, Goombario. Ah non, ça va. Il ment parfois. Ok, alors puanteur. Oh putain.
Ok, donc en gros, ils ont l'air plutôt simples, mais bon, faut faire gaffe quand même. C'est pour ça que j'ai au super saut, comme ça je m'en débarrasser d'un tout de suite. Ah, cool, ça j'ai bloqué. Ah merde, ça fait chier. Bon, à boire sûr, ça va. On va taper au super saut, allez, dégage. Hop. Ah merde, je me suis foiré, fait chier. Bon, on se débarrasse, hop. J'en profiterai pour me faire une méditation après. Ah, que 2 points et toi, putain, je suis déçu. Aïe 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 aïe. Bon. Tape au saut. Ouais, j'aurais pas dû foirer ma commande. Bon, tant pis. Non, quoique, j'ai même pas besoin de méditation vu que j'up. Bon, on s'en fout, pire. Bon, allez, pour le fun, hein. On y va. Méditation. Hop, c'est parti. Voilà, et Gombao est fini, youpi. Donc il y a un mini-boss apparemment simple, hein, bon. Je pense qu'on le retrouvera plus tard dans la voiture, pas de très très gros soucis. Et je monte de niveau. Et là, je vais augmenter les points, les PC, parce que ça faisait longtemps et que j'en ai besoin. Voilà, youpi. Yoshi, je t'ai sauvé. Non, je suis là, hein. Ouais, ils sont partis, je pensais qu'ils allaient me manger tout cru. Ah, ils auraient pu, hein. Je ne veux plus faire de choses dangereuses, je veux être un bon garçon. Ouais, c'est ça, puis 2 heures plus tard, tu vas te barrer déjà, ouais, c'est ça, ouais. Comme si j'allais te croire. Oh, il me semble qu'il en reste encore, hein. Il me semble bien qu'il en reste encore, hein. Alors, voyons voir. Il me semble que là, ce chapitre, il se fera quand même en 5 épisodes, hein. Parce qu'il est vraiment assez long. Contrairement aux autres d'avant. Ah, ça, c'est pas la gare Maskas, hein, c'est sûr. Mon sushi, go. Hop, je te fais confiance. Non, je t'ai dit que je te faisais confiance. Je t'ai pas dit de... J'ai dit nager. Nager, voilà. Et il me semble que là, c'est la suite des trucs. Mais on sait jamais, peut-être qu'il y a... Que j'ai loupé un truc. Peut-être que j'ai loupé un Yoshi, là-bas. On sait jamais. Et si je retourne là-bas, j'aurais pas l'air malin de tout me refaire. On y va quand même. Sauf que c'est pareil, faudra déposer une orbe ou un truc bizarre. Non, t'es pas là-dedans. Non, t'es pas là-dedans. C'est une statue, bah. Non, y a pas l'air d'être là. Non, bon, on y va. On retourne en arrière, donc. Il me semble qu'il reste encore un Yoshi quand même. Hein. Faut que j'aille voir. Ouais, je pense qu'on a tout. On a tout fouillé là. Hein. Ah non, pas ce... Si, on a tout fouillé, ouais. Voilà, on y retourne, donc. Oh, putain, merde, fait chier. Ah, bah, il y a encore un écran. Bon, on y va. Zzzzt. Ah, bah, ok, bah, lui, il est en train de roupiller, je m'en souviens. Allez, hop. Ah, merde, ah, non. Tombe de là. Ah, non, c'est un Fuzzy. Oh, enfoiré. Oh, il m'a eu par surprise. Bon, toi, tu as dégagé, hop. Hop, 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 du balai. Sushi! Point! Voilà, non. Oh putain, 4 points d'expérience. Là, on est passé du raisonnable au du complètement cheaté, là. Putain, je suis pas prêt de regagner, de changer de niveau maintenant. On finit au moins. C'est vrai que de 2 points d'expérience au lieu de 4, c'est tout de suite moins sexe, hein, forcément. Et puis je pense que le temps qu'on retrouve Yoshi, je pense que... Ah, quoique, je peux même me tenter de me finir la jungle, peut-être. Ce serait pas mal, ça. Quoique, je sais pas. Non, j'hésite énormément. J'hésite, parce que... Hey, Yoshi, ça nous a demandé pas mal de temps. On verra, c'est du blabla, on verra bien. Blabla, on joue à cache-cache, blabla, même discours... Il me semble que là on les a tous, il me semble. Qu'est-ce que c'est cette plante? Oh, il fait de la musique. Il fait de la musique, c'est rigolo. Oh tiens, il doit y avoir un truc là. Ah non, mais non, c'est là d'où je viens. C'est d'où j'ai frappé, je suis bête. Ah, donc là c'est un... Là ça va m'aider parce que ça fait un vrai raccourci. Allez, merveilleux Jésus, il marche sur les troncs d'arbres, youpi. On y retourne. Et je pense que là, c'est le retour au village. Nous sommes rentrés victorieux.
Ah, il en manque encore un. Qu'est-ce qui se passe? Plus qu'un. Merde, il reste un fait chier. Bon bah c'est pas maintenant la deuxième partie de la grotte. Allez, où est-ce que j'ai loupé? Sachant qu'il reste encore un. Ah, ah putain, ah, ça me nique. Ouh, alors. Oh la vache. Avançons. Écoutez. Non, parce que je crois que je les avais tous, justement. Il n'y en avait que 4. Alors, ça m'étonnait un peu, mais on y retourne. Allez, hop, Yoshi. Yoshi. Sushi, pardon. Honte à moi. Ah non, je peux plus passer, c'est pas mal. Bon, attendez, je pense qu'on va faire le chemin dans le sens inverse, plutôt. On va voir ça. On va passer par le tronc d'arbre, hop. Non, parce que je pensais vraiment que j'avais tous récupéré, ça m'a un peu étonné. À moins qu'il soit sur un autre écran. Bon, on y retourne. En général, ils sont toujours apurés, ils nous avertissent, quoi, mais... Sauf que je me suis fait tous les écrans, hein. Alors, il en manque un, où est-ce qu'il peut bien être? Ah putain, son rapport, il est monstre en plus, ça me casse les couilles. Ok, alors ça va être simple. On continue, hop. Donc là, je suis sûr qu'il n'y a rien là. Non, on a fait tout le truc. C'est peut-être à ça d'avant, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Bon, on y retourne, hein, écoutez. Oh non, pas toi. Bon, vas-y, hop. Fais pas chier. M'embête pas. Bon, ouais, ça sert à rien de taper fort vu que l'autre connerie va regagner sa vie, donc bon. Ça pas grand chose. Hop, sushi, hop. On n'en part plus. Et je gagne qu'un point d'expérience. Vive la douille. Oh non, commence pas à péter pas toi, hein. Déjà que... Bon, bah, reste de la jungle, ce sera pas pour aujourd'hui. Désolé, les amis. Mais au moins, on aura sauvé tout Yoshi. Enfin, il faut que j'y trouve déjà. Allez, crève. Ah, sushi attaque. Non, rappelle pas s'il te plaît. Mais non. Oh non. Oh là, mais ça me donne qu'un point d'expérience, cette merde. Bon, on continue. On l'aura un jour. On l'aura. Je t'aurai usure, hein, tu verras bien. Ah merde, putain, merde, j'ai failli, non. C'est ce qui attend. Oh là là. Voilà, on continue, je continue de spam parce que forcément le deuxième aussi il va attaquer. Espèce de raclure. Oh putain, lui il a gagné toute sa vie carrément. Bon, tu sais quoi, super saut, hop. Du bas. Si seulement c'est avec 6 points de vie ces trucs, ce serait tellement bon. Mais évidemment c'est un asset, pas de peau. Allez, H-Pam parce qu'il va m'attaquer. Pour gagner sa vie, forcément. C'est bon, t'as fini? Merci. Et je finis avec des attaques normales. Hop. Eh, sushi, je finis ce foutu fusil à con. Ouais, on s'en fout de la commande. Bon, voilà. Bref. Quatre points à toi, mais où est-ce que j'ai pu oublier ce foutu Yoshi? Où est-ce que j'ai bien pu oublier? Oh, c'est galère. Yoshi, t'es où? Oh, c'est pour toi qu'il va répondre comme ça. Bon, toi là, dégage déjà. C'est ça des trucs d'avant, je pense. Surtout que pareil, y a rien par là. On y retourne, hop. Il doit être dans cette zone. Oh, hop, son casse-couille, c'est Yoshi. Oh, excusez-moi, mais là j'y vais parce que... Il en manque un, bah il avait pas cassé hier, ce trou du fion. Bon, alors où est-ce qu'il est? Ah, c'était là où j'ai récupéré le premier. Là. Ah bah il y a un écran par là. Ah bah j'avais pas vu. Enfin, je pense que... Il est dans le coin? Ah ok, carrément. Ah d'accord. C'est bien gentil, mais ça me dit toujours pas où est Yoshi. Hein.
Rebonjour à tous, c'est HSim. Et en fait, bah après quelques recherches, enfin pas tellement de temps, en fait, j'ai trouvé, je pense, où était Yoshi. Parce qu'en fait, il y avait une zone où, bah, j'avais pas fouillé, enfin parce que j'avais pas vu le truc. Donc là, il semble y avoir un tronc, ouais. En fait, je vous montrerai après d'où c'était, mais j'ai pas pensé à passer par là. Parce que je pensais que c'était ce endroit de ça. Ah bah yeah, tiens. Bon bah c'est déjà fait, hop. On prend. Mac, wa 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 wa. Et puis je vais vous montrer quand même la zone où c'était juste avant pour vous passer en priorité. Ah bah il y a un truc étoile. Attendez, je vais prendre. Alors j'essaie de faire vite quand même parce que je sais que ça doit faire pas mal de temps. Hop. Allez hop, oust. Go, je vais prendre la pièce d'étoile quand même. Ah putain, j'ai raté, fait chier. Ouais, merci d'être passé. Hop. Et on rentre donc à la maison, youpi. Ouais, j'avais pas pensé, vous allez voir où c'était. Et puis on va s'arrêter là, hein. Je pense que je vais vous laisser vraiment là. En fait, c'était où il y avait la grotte, l'espèce de grotte où il fallait monter en haut. Donc j'ai pas pensé à aller tout au fond. Bon, voilà. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir suivi, puis à plus, salut.